Ok, c'est parti, on va continuer. Faut savoir que j'ai réfléchi quand même pas mal. Une fois que j'avais fait la première vidéo, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire et tout. Et en fait, déjà, quand on endort notre meuf, sur elle, elle porte un livre et un trousseau de clés. Et je me dis que peut-être qu'il y a des indices dans le bouquin. Alors, c'est peut-être débile comme ça, mais je me suis posé la question. Est-ce qu'elle cacherait pas quelque chose dans le bouquin? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à lire? Je vais attendre que le flic, il se fasse électrocuter par l'interrupteur. Ensuite, je le menotte et je le bute direct. Je lui pose pas de questions. Et là, je vais voir ma meuf. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on va tester. Ok, je vais direct prendre la tasse. Hop. Juste prendre les somnifères, okay. S'il te plaît, juste pour t'endormir. Ok, je prends les somnifères. Je les mets dans la tasse. Je vais au plan de travail. Hop. Je vais poser cette tasse-là ici. Hop. Ensuite, elle va boire dedans et elle va s'endormir. Là, je vais déjà préparer l'interrupteur. Donc, je l'allume une fois. Je l'éteins. Ok. Comme ça, le flic, il va se faire défoncer. Ok, là, elle va dormir. Ok, je ferme la porte. J'appelle pas les flics parce que j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule quand ils nous proposent d'appeler les flics. Parce que les flics, ils mettent 15 minutes à venir. Sauf que le jeu, il s'appelle 12 minutes. On a que 12 minutes pour résoudre l'énigme, en fait. Donc les flics, pour moi, ça sert à rien. Je dis bien pour moi. Je sais pas encore au moment où je vous parle. Ok, le flic est là. Ok, on va attendre qu'il se fasse griller. Ok, j'y vais. Il s'est fait cramer. Hop, je le fouille. Je prends les liens. Et bizarrement, il y a deux liens, tu vois. C'est ça qui me perturbe aussi. Pourquoi deux liens alors que je peux lui en mettre qu'un? Est-ce que je peux le buter au couteau? Oh putain, je l'ai buté. Bah, je lui ai touché une artère. Bah, vas-y. Je vais à ma meuf. Il va crever de toute façon. Elle, elle a un bouquin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Why a book of meditations? I won't tell anyone. Et je peux pas lire le bouquin. Why a book of meditations? Un livre sur la méditation, ouais, bah, mais pourquoi? Je sais pas, moi. Donc il faut qu'elle soit consciente pendant que le flic est là, peut-être. Oh putain, ça fait 12 minutes, c'est trop tard. Oui, ah là 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 là. How do I get her to say with the watches? Comment je pourrais lui pousser à dire où est la montre qui dit? Je peux pas la menacer? Genre vraiment, quoi, tu sais. Hey, hon? Yes? I'm sorry. Oh, fuck. I'm so sorry. I didn't... God. Oh, je pouvais le faire, vraiment. I am so sorry, baby. Please help. Elle est pas morte. Je peux pas lui poser des questions. Elle est pas sans vie, qu'est-ce que tu racontes? Si, elle est sans vie. Waouh. Eh, vas-y, maintenant que je l'ai buté, c'est horrible. Mais maintenant que je l'ai buté, je vais voir comment le flic il réagit. Bah ouais, est-ce que je peux appeler les flics maintenant? Emergency services. Dire que vous avez poignardé votre femme, bah vas-y. Hi, ça se trouve, ils viendront plus tôt que 15 minutes. Okay, apply pressure to the wound. She's not. She's dead. I killed her. Stay where you are. A unit is on its way. She was pregnant. Officers will be there shortly. They should be there in 15 minutes. D'ici un quart d'heure aussi. Vas-y, je ferme et je vais attendre le flic. Mais j'ai hâte de voir sa réaction. Qu'est-ce qu'il va dire, le keuf? What the... Ma'am. Oh putain, il m'a trouvé. What the... Don't move. Ouais, je suis en état d'arrestation qui me dit putain. Ok. Donc au final, ça sert à rien. Il va me buter. Peut-être vous êtes, votre femme a été accusée du meurtre de son père. Ok. She's got a pocket watch, it's evidence. Tell me where it is. Maybe I can make this go away. Dire que vous savez rien à propos d'une montre. Ah putain. I don't know anything about a watch. Sure you don't. Il faut vraiment que je la trouve, cette putain de montre. Ouais, il me bute. Ouais, je sais pas, putain. Putain. Et comment lui faire dire où est la montre, en fait? Attends, je crois que je tiens à un truc. Je ne t'ai pas entendu rentrer, qu'elle me dit à chaque fois. Donc est-ce qu'il faudrait pas que je me cache direct? Hop, je rentre direct. Ok. Elle dit bien... Je ne t'ai pas entendu rentrer, donc elle va croire qu'elle est seule tout le temps.
Donc je vais peut-être entendre ce qu'elle va dire au policier. Ah putain. Ouais, elle croit que je suis toujours pas rentré. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Et on va peut-être savoir où est la montre. Elle va peut-être lui dire. Et là, ils se retrouvent que tous les deux. Donc qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que elle va lui dire aussi? Est-ce qu'elle va avouer où elle est la montre? I don't know what you... This is a mistake. I don't... You must be... Look... I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. We will. I don't know who you are, but I am not who you're looking for. This... Anyone else? It's a mistake. Come on out. Please. Please don't hurt me. Anyone else here? Husband, boyfriend, girlfriend? My husband. He's at work. He'll be here any second. All right. Just us then. 8 years ago, your father... A gun? Father. Ring any bells? Why are you asking? Father. Oh, come on, skip this part. Please. I swear. Oh. Wow. Elle est enceinte en plus. Only question is how much you make me hurt you before you do. I don't know about anyone. Keep lying. See how creative I can get. Help. Help. Be honest with yourself. You knew this would happen. There's no cavalry coming. Nobody's going to save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's in the vent in the bathroom. De la salle de bain? Under the medicine cabinet. Oh, girl. It's there. I gave you what you wanted. And I won't tell anyone. Dans la bouche d'aération dans la salle de bain. J'avais pas vu de bouche d'aération. Find it? I did. Okay, now will you let me... What are you? Easy now. Il va l'habiter. No. No! Oh, le bâtard. Ah, il va faire passer ça pour un suicide. Il est parti. Et là, quelle bouche d'aération. Je vais voir direct. Mais il n'y a pas de bouche d'aération dans la salle de bain. Elle est où la bouche d'aération de la salle de bain? Je vous jure, je sais pas où elle est. Je suis con quoi. Grille d'aération. Oh putain, c'était en dessous. Ah, ok, elle est juste en dessous. L'armoire à pharmacie. Ok, bon là, on entend la musique, ça va recommencer là. Ok. Ok, ok. Et je me disais aussi, pourquoi la meuf, elle est tout le temps... Pourquoi elle est dans la salle de bain au début? Je vais lui parler de la montre à la limite avant. Ouais, je vais faire ça. Je vais lui parler de la montre. Elle va me dire non, y a rien, j'ai aucune montre. Elle va me dire non, y a pas. Et là, je vais aller la chercher. Et je vais lui mettre la preuve devant son nez. Fin de la conversation. Ouais. Espèce de salope, va. Tiens, va voir, je vais te prouver qu'elle est là. Objet. Hop, c'est bon, je l'ai. So this was her father's watch. Ah là là. Must be worth a lot of money. Ok. Yeah, I don't need this right now. I'm out. Oh la pute, elle se barre. Ah putain, elle s'est barrée. Je vais lui montrer la montre. I found your watch in the vent. What? There's a man, and he said that you killed your father. What the fuck are you talking about? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? Listen, I'm sorry. I'm living the same 10 minutes over and over and over again. So look, I'll prove it to you. Are you fucking kidding me? This present. Look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I told you that I'm in a time loop. Do you believe me now? Oh, yeah. I mean, I think I do, yeah. I don't even know where to start. My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt... It doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral.
Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard, but please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and he always had guns around. I grabbed one, and I shot him, and I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and, well, and things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. And now you know. On verra la suite au prochain épisode.